Niqué. Ah bah c'est ça le talent hein. Alors, elle est pas superbe cette piste d'entraînement? Génial, grave top. Elle est top. Vous savez que vous avez de la chance d'avoir trouvé un aussi généreux sponsor qui vous offre des entraînements pareils pour le championnat? C'est clair. Ah bah alors on va continuer. On va monter là-haut, faire un peu de poudreuse, hein? Parce que c'est aussi bon pour les jambes que pour le moral. Allez hop. Du hors-piste? Ah. Hors-piste? Ouais. Évidemment, pas n'importe où, vous êtes des grands garçons, non? Bon, ok. Allez. Ciao! Paris, 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 va! C'est un sacré tombeur, dis donc, ton fils, hein? Son copain Greg aussi, d'ailleurs. S'il gagne le championnat, on va le retrouver en poster à toutes les chambres d'adolescentes. Ouais. Et deux champions dans la station, bah, c'est bon pour le tourisme. Oui, puis ça permettra peut-être de rentabiliser plus vite ton projet d'aménagement du Val-Noir. Tu m'as fait mettre beaucoup d'argent dans ton histoire, Marco, beaucoup. Arrête, beaucoup. Arrête, t'as lu les études provisionnelles, alors arrête. Oui. Des études rédigées par ta société, du côté de l'objectivité, on fait mieux, hein? Mais non, je plaisante. J'y crois à ton histoire de télécabine, sinon je serais jamais rentré dans l'affaire. Au fait, on l'a quand l'autorisation? En fin de semaine. Mais t'inquiète pas, je t'ai dit que c'est dans la poche. Bon, bah, je finis mon relevé de topo, second tronçon, tu viens? Non! Aujourd'hui, je bronze! Deux jours, c'était avalancheux par là-bas. Mais non, attends, c'est bon, ces pancartes, c'est pour les touristes qui vont n'importe où. Bien sûr. Je sais pas, peut-être c'est dangereux, hein. Attends, Chris, si ton père a décidé d'aménager la combe du Val-Noir, c'est que le coin est tranquille, c'est clair. Il connaît la montagne, le père Marco, non? Bon alors, il est où le problème? Bon, allez, 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 c'est gagné, vas-y. Allez, vamos. On va s'éclater, man. Allez, c'est gagné. Alors, c'est pas géant, ça? Toute cette poudre pour nous tout seul. Ready? Ouais. Woo! Let's go! C'est bon, ça tient? C'est bon, viens! T'imagines la tête de mes élèves? Ils ont quand même le bac à la fin de l'année. Anne! Téléphone! Mais d'abord, t'as le droit d'être malade. Ah, ça, c'est une bonne idée. Je demanderai à Sébastien un certificat médical bidon. C'est quoi ce bordel?
Vous pouvez pas répondre, bande de feignants. Petite scarlatine, tu devrais te rendre en moins de 3 semaines. C'est énervant, ce téléphone. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je vous dis tout de suite. Au revoir. Ouais. Anne, c'est pour toi la clinique. J'arrive. C'est Stéphane, il dit que c'est urgent. Attends. Non. Bon, bah, il est en état de choc, ce qui est normal après l'avalanche. Autrement, il s'en tire plutôt bien. Il y a juste une légère hypothermie, à part sa RAS. Il n'y a pas de fracture en radio. Il faudra simplement que tu fasses un bilan moteur un peu plus précis demain quand il sera en meilleure forme. Attends, Stéphane, tu sais très bien qui est sa mère. Non, je crois qu'il faudrait mieux qu'il travaille avec un autre kiné. Hein? Arrête. C'est clair que je ne te l'aurais pas proposé spontanément. C'est le père de Christophe qui a avancé ton nom. Marco Beaulieu? Il a plus confiance en toi qu'en moi. Remarque, il n'a peut-être pas tort. Tu vois que ta réputation est faite. Anne, excusez-moi d'avoir insisté pour vous voir, mais vous êtes une championne. Vous savez mieux que personne comment ça fonctionne un sportif de haut niveau. Puis c'est mon fils, quoi. Non, non, vous avez bien fait, si je peux vous rassurer. Écoutez, le chirurgien vient d'examiner Christophe. Il n'y a rien, Marco, hein. Pas de fracture, voyez, pas de traumatisme visible, pas de lésion, tout va bien. Et puis là, on va le remonter dans une chambre. C'est bien. Merci. Alors, vous allez me le remettre sur pied pour les championnats. Tenez. Écoutez, Marco, je crois qu'il vaudrait mieux que Christophe travaille avec un autre kiné. Ah bon? D'accord. Par rapport à sa mère? En fait, elle a été prévenue. Oui, elle est à Rome, elle revient demain matin. Et vous pensez que je peux le voir, là, maintenant? Oui, oui, il doit être dans l'ascenseur, là. Venez, on va monter. Ah, Marie-Lise. De toute façon, on s'est arrangé avec le même galet, mais je viens la voir tout à l'heure. D'accord. Ah, mais je comprends, Anne, que ce soit un problème pour vous, mais... qu'est-ce qu'on fait? Non, je peux pas. J'insiste pas. De toute façon, c'est pas seulement d'un bon kiné dont il va avoir besoin, mon fils. Mais c'est quelqu'un qui puisse l'aider dans la tête. Surtout si les recherches ne donnent rien. C'est le dossier du petit Beaulieu. Ah, je verrai ça tout à l'heure. Et comment ça, les recherches? Mais Christophe n'était pas tout seul sous l'avalanche? Non. Bon, mais il est avec qui? Avec son meilleur ami, Greg. Tu m'as foutu la trouille, hein. J'ai fait une grosse connerie, hein, toi et Greg. Vraiment une grosse connerie. Je vais tout arranger, t'inquiète pas, je vais tout arranger. Parce qu'il n'est pas question que vous soyez privé de ski sur les pistes, hein. Tu comprends? Hein? Alors écoute, si on te demande des explications, là, tu dis que tu te souviens pas. Huh?
Je vais arranger tout ça. Poste ton petit bichon, casse-toi. Un pas en avant. Fondez. 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 Merci pour le coup de main. Il n'y a pas de quoi, François. De toute manière, on continuera toute la nuit. Hein. Ça, c'est pas un problème. Okay. Salut, Anne. Salut, tiens. Merci, je te remercie. Pas de quoi. Alors, dis-moi, comment il va, le petit? Ça va, ça va. Bah, tu sais qu'il a eu du bol, le mec. Il a eu quand même du bol. Il a fallu que son père il passe en scooter, qu'il entende le bruit de l'avalanche et qu'il réplique. Nous, en bas, on n'a rien entendu. Et son copain? Greg Porti? Oui. Soit il est mort sur le coup, soit il a fait un trou dans la neige et puis on le retrouve. Et il y a une chose que je comprends pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre dans cette combe des pâtis? Ça. Et tout le monde sait que c'est pourri à cette période de l'année. Nicolas, vis à gauche. Merci. Un pas en avant. Fondez. Bonjour. Je me présente. Je suis Suan Belfond. Vous êtes la maman de Greg? Oui. Je vous reconnais. Greg vous admire beaucoup. Les sauveteurs vont continuer les recherches toute la nuit. Ils vont le retrouver. Faut pas vous décourager, madame Plante. Il faut continuer à y croire. Très fort, très fort. C'est vraiment important pour Greg. Christophe, comment il va? Il va s'en sortir? Ça va aller, ça va aller. Ouais. Je l'aime beaucoup. Pour Greg, c'est comme un frère. Il faut vous occuper bien de lui, hein. Et il n'y a pas eu une avalanche au Val-Noir? Au Val-Noir? Ça m'étonnerait. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis plus que prudent dès qu'il s'agit d'argent. Surtout le mien. Non, rassurez-vous. Le Val-Noir est parfaitement sécurisé. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît qu'il y a deux gamins qui s'en fait prendre dans une coulée. Vous connaissez Marco Beaulieu? C'est son cabinet d'études qui a monté le projet. Il y a eu une avalanche hier, Marco? Oui, il y a eu une avalanche, oui. Là-haut, au paquis. Mais c'est un domaine strictement interdit pour la glisse. Alors les deux mômes qui s'y sont aventurés ont pris de gros risques, quoi. J'espère que tout ça va bien se terminer. Alors vous les aurez quand, les dernières autorisations pour démarrer les travaux? Je les attends pour la fin de la semaine. De toute façon, ça n'est qu'une formalité administrative. Avec ce soleil, le Val-Noir est le plus beau versant de la station. D'ailleurs, venez voir avec les jumelles. C'est juste en face, là. On trouvera ça d'une part ailleurs. Et là, en bas, vous avez la piste de bosse. Vous voyez où sont les drapeaux? Vous n'avez pas lésiné sur l'étendue? Ah, je vous l'ai dit. Je ne fais jamais les choses à moitié. Hey, ça t'embête pas si je me rase, il est quand même plus de midi. Ça t'apprendra à traîner au lit. J'arrive pas à y croire, elle a autant de trucs que ta mère. En plus, des trucs complètement inutiles. Pourquoi? Tu l'as rue? Non, je disais ça comme ça. Ça t'intéresserait d'avoir de ces nouvelles? Ton fils? Non, je peux pas. Tu peux pas? Tu sais ce qui peut se passer?
Écoute, Gilles, je peux pas lui parler. Tu te rends compte de ce que Christophe va penser de moi? C'est toi qui m'as entraîné dans cette histoire, ok? Gros investissement, mais rentabilité assurée, notoriété pour passe. Alors c'est pas maintenant que tu vas te dégonfler. Tu te fais chier. Merde, je peux pas! Il n'y a pas que tu peux pas. Tu vas parler à ton fils avant que ça dégénère. La commission, elle est là dans 3 jours. Tu sais ce que ça veut dire? J'attendais que je peux pas te pêcher, merde! Casse! Casse-toi. Hé. Embrasse Christophe pour moi. C'était quoi ce gros pépin? J'ai pas envie d'en parler, Thomas. Comme tu voudras, Anne. T'as vu ce qu'un patient m'a rapporté du parc de la clinique? C'est beau, hein? C'est déjà le printemps, là-bas. Oh! Mais dis-moi, t'avais mis les petits plats dans les grands? Le problème, c'est que Sébastien a tenu absolument à nous faire la cuisine. Et alors? Ça veut dire quoi, cette allusion, là? Elle est au fourneau, toi. Non? Regarde. Alors, c'est salade d'endive avec un peu de pommes, un peu de raisin de Corinthe, un peu de persil, puis un filet de vinaigre à l'estragon. C'est ça, oui. Et on ne touche pas avec les doigts. Écoute, en principe, il faut au moins 3 ans pour obtenir une mutation dans la région. Mais Thomas Garnier est un prof très bien noté par le rectorat. Il est très poli avec l'inspecteur, il offre des fleurs à la secrétaire. Un bouquet de jonquilles pour son mariage il y a 3 ans. Tu te souviens de cette histoire, là? Je me souviens de tout. Même de ce qu'on peut se dire dans la salle de bain. Oui, mais si ça me permet d'être nommé ici l'année prochaine, ce sera un bon investissement, ce bouquet, non? Eh oh, belle dame. À quoi vous rêvez? Je suis désolée, Thomas. Je pensais à... À qui t'offrait des fleurs dans une salle de bain? Oh, c'est... La secrétaire du rectorat. La salle de bain, c'est une autre histoire. C'est même pas une histoire. Enfin... Grâce à tes jonquilles, tu vas pouvoir te poser ici l'année prochaine. Mon côté, je retournerai plus à Paris. J'ai plus rien à faire, d'ailleurs. C'est vrai, ça? Oui. Ah, c'est génial! Parce que je suis heureuse, Thomas. C'est trop bien. Et tu m'avais rien dit, petit cachotier. Oh, c'est un super cadeau, Thomas, vraiment. C'est bien. Je commence à le détester, ce train de 23h10. Je reviens dans 5 jours, je reviens vendredi. Tu tiendras le choc? Je te promets rien. Je t'accompagne à la voiture? Veille bien sur Anne, s'il te plaît. Pensez-moi ça, j'ai compris. C'est pas si simple, un jour je t'expliquerai tout. Non. Vaut mieux pas. Il y a 3 mètres d'épaisseur dans cette neige, c'est pas vrai? Ça résiste, là. Il y a quelque chose, là, viens. Viens vite, là. Vas-y, creuse. Là. Allez! Ça suffit, Marco. Ce que t'as senti, c'est juste une pierre. Aide-moi, allez! Ça suffit, Céline. Ça suffit! T'es foutu, maintenant! Merde! Il y a une bombe que t'as de crever, là! On peut pas le laisser, non? Alors aide-moi, merde! Fallait y penser ce matin! Depuis le début, ce projet s'est foutu, depuis le début! Je savais que ton projet était foireux! Après ce que j'ai fait pour toi, bordel! Qu'est-ce que t'as fait pour moi, hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Quand Florence est partie, tu venais tous les jours pleurer chez moi. Il a fallu que je lui donne de l'argent. Si t'es là, t'es grâce à moi. Ah. Ne l'oublie pas, Marco! Le pognon, y'a que ça qui compte! Y'a que ça qui compte dans ta gueule, le pognon! Et y'a un môme là-dessous! Et toi, tu t'en fous, connard! S'il y est là-dessous, le môme, c'est de ta faute.
ta faute. T'as compris? Puis t'as intérêt à parler à Christophe. Parce que s'il se met à raconter son histoire, t'es foutu. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon Dieu, d'envoyer des secours à la combe des Paquis alors que tu venais de sortir ton fils de l'avalanche au Val-Noir? T'avais peur pour ton projet, c'est ça? Et la vie de Greg, tu y as pensé? Non! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille te dénoncer à la police? Pauvre con! Que j'aille fouiller dans nos affaires? Allez, essayons encore. Allez. Madame Planty, bonjour. Quand il était petit, il grimpait tout seul jusqu'au chalet d'alpage, où je restais avec les bêtes. Il avait peur de rien. Son père voulait qu'il soit instituteur, comme lui. Et puis c'est la montagne qui a gagné. Et quand mon mari est mort, eh ben il s'est lancé à fond dans la compétition. Tout ce qu'il avait gagné déjà. Vous avez vu votre affiche? Vous admirez beaucoup, vous savez. Vous savez, vous ne pas parler de Greg au passé, Madame Planty. Tout n'est pas terminé. On va continuer à chercher. Non, ça va. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, merci. Dites. Vous voulez me dire ce qu'ils allaient faire sur ce versant? La combe des Paquis, c'est un vrai couloir d'avalanche. Les gamins le savaient quand même. C'est comme le Val-Noir. Je croyais que le Val-Noir avait été sécurisé pour permettre l'installation du nouveau téléphérique. Oui, ça, c'est ce que Marco Beaulieu raconte. Ça a déjà coûté tellement cher, son projet. Peut-être ils sont passés sous les filets de sécurité. J'arrive pas à comprendre. Ça, ils sont jeunes. Ils skient bien, ils ont cru qu'ils étaient invulnérables. C'est comme ça que ça arrive, les accidents. Par orgueil. C'est un peu souple, alors en gros, c'est neige de printemps transformée le matin, c'est génial. Sans problème. Ah ouais, t'es pas allé. Non. Non. Tu veux rester parce que... Non, c'est vraiment bon, là. Tu l'as vraiment jusqu'en bas. Ouais, jusqu'en bas, ouais, bonjour. Bonjour, Al, ça va? Ça va. T'as vu qu'il fait beau aujourd'hui, hein? Ah, méfie-toi, ça va pas durer. J'ai vu la météo ce matin, ils annoncent tempête et neige à 100 mètres. Ah bon? Donc, point de ski demain, et puis, comme dirait l'autre, Noël au balcon. Pas au cotisant. Moi, tout à l'heure. Salut. Alors, c'est fait? Eh, mais vous pouvez pas me lâcher une seconde, j'ai pas de température, je vous dis. Qu'est-ce que vous en savez? Je m'en fous, ok? Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que j'ai exactement et combien de temps je vais rester coincé ici. C'est pas à moi de vous le dire, vous le demanderez au docteur Tellier quand il passera dans votre chambre. Non, ça va. Mais Greg, on l'a retrouvé. Qui? Mais Greg, mon pote, celui qui était avec moi. Merci, Françoise. Je vais m'occuper de Christophe. Et sa température? Bon, on verra plus tard. Je suis infirmière, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une kiné. Ah, mais je n'avais pas l'intention de vous donner des ordres, Françoise. C'est juste une suggestion. En tout cas, s'il a de la température ou quoi que ce soit, ce sera sous votre entière responsabilité. Mais il est toujours comme ça. Oh. Au fait, je sais toujours pas ce que j'ai au genou. Ah bah rien. Vous avez rien. Alors c'est ce qu'on va aller vérifier en salle de rééducation. Vous allez vous lever et puis... Vous avez autre chose à vous mettre? Des vêtements un peu plus sympas, parce que la chemise... Ouais. Bon.
Tu peux me préparer ces radios, je les descends. Ouais, c'est incroyable, hein, mais pourquoi personne me donne des nouvelles de Greg? Je sais pas où il est, ni comment il va. Faut arrêter de me mentir. Je mentirai pas, Christophe. Je connais trop les ravages du mensonge. Même par omission. Hier soir, j'étais sur les lieux de l'avalanche. Et les sauveteurs n'avaient toujours pas retrouvé Greg. Enfin, ils gardaient bon espoir. Après une nuit sous l'avalanche, bonjour l'espoir. On a déjà retrouvé des gens vivants, même après plus de 2 jours. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Je vous promets. Tiens. Ah, merci. Allez, on y va. Quand tu auras terminé ta série, tu rajoutes 750 grammes. Ok, merci. Écoute bien. Ça va? Oh, mais le dégoût. Voilà. Alors, vous allez vous installer là, tout doucement. Hein. J'arrive. C'est lui le problème? Tu retournes à des exercices là-bas, je t'expliquerai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai. Alors, je vous l'ai dit, les examens du docteur Tellier sont bons. On va faire un petit bilan moteur complet pour être sûr, d'accord? Non, non, t'inquiète pas. Est-ce que c'est bon? Aïe! Il y a un passage là, ça m'a fait mal. Ah bon? Je pense pas que c'est grand-chose. Vous pensez que je peux forcer? Non, 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 on force surtout pas, Christophe, surtout pas. C'est pas la peine de prendre des risques idiots. Si le docteur Tellier veut faire une IRM, on verra. Ah ouais, vous pensez que c'est grave? Tiens, voilà les deux derniers dossiers. Bonjour, je voudrais voir Christophe Beaulieu, s'il vous plaît. Ah, écoutez, madame, c'est pas l'endroit pour les visites. Je suis sa mère, il faut que je le voie. Oui, mais pour l'instant, il est en rééducation avec Anne Belfond. Pardon? Avec Anne Belfond? Attends, Florence, je vais t'expliquer. Ah non, pas lui. Pas mon fils. Tu ne le touches pas. Tu m'entends? Tu le touches pas! Tu t'approches pas de lui! Non mais attends, mais Florence, mais calme-toi. J'ai pas envie de me calmer! Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais encore sous le choc, après la mort de Franck. Mais maintenant, je le sais. Je te pardonnerai jamais. Mais maman, tu peux pas arrêter 5 minutes! Non, Christophe, j'ai pas envie qu'elle s'occupe de toi. C'est hors de question! Toi, tu le laisses tranquille! Ok, c'est bon, elle a compris. Je peux voir le docteur Tellier? Le docteur Tellier? Oui. D'accord. Je reviens. Allô? Mais pourquoi elle? Il y a d'autres kinés, non? Parce que Marco insistait pour qu'Anne s'occupe de Christophe. Marco. Il n'a jamais supporté Franck. Et il m'en voudra toujours de l'avoir quitté. Tu sais, Florence, il a fallu que j'insiste vraiment pour qu'Anne s'occupe de la rééducation de Christophe. Il faut pas lui en vouloir à elle. J'arrive pas à oublier. Je me sens tellement mal. Je comprends, Florence. Mais aujourd'hui, il y a Christophe. Il faut absolument qu'il s'en sorte, non? Eh, viens, je t'offre un café. Parfois.
savais pas que Florence, elle avait un fils de mon âge. Elle a eu un premier mariage avec Marco Beaulieu. Elle était jeune. Ça n'a pas duré. J'étais sûre qu'elle supporterait pas que je m'occupe de Christophe. C'est bon. Alors pourquoi tu l'as fait ? J'ai bêtement cru que j'étais indispensable. Tu sais très bien qu'elle pense que Franck est mort à cause de toi. Désolée, Christophe. Ça me ressemble tellement pas, ce genre de scène. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu peur pour toi. Ça va? Oui, ça va. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, j'ai vu ta caisse sur le parking, donc je suis passé devant. Ah ouais, petit tiens, je vais l'embêter un peu. Excuse-moi. Plus tard. Ah ouais, moi, je disais la même chose à ma mère. On connaît ça, hein. Puis après, avec les copines, pout, au café. Oh là, je sais même plus où j'en suis, là, dans mes comptes. Tu m'embrouilles. Eh, hey, va. Ça te ressemble pas, tu es les mères inquiètes. Ça fait 15 ans que tu t'occupes pas de moi, alors pourquoi tu viens me prendre la tête aujourd'hui? La mort de Franck, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est qu'on retrouve Greg et qu'on puisse repartir tous les deux skier ensemble. Ok? Ok, ok. Tu veux en reparler? On va en reparler. Pourquoi je suis partie? Ce qui s'est passé? On peut en reparler. Mais je t'ai déjà expliqué. Expliquer quoi? Que t'étais trop jeune pour m'élever? Que t'as cru préférable de me laisser à mon père pour mon bien? Arrête. Je la connais, la chanson. T'as rien à foutre de moi et en plus tu m'aimes pas. Si, je t'aime. Ça servira à quoi? Elle a besoin d'aide. Tu crois que t'es la mieux placée pour lui en apporter? Allez, viens. Un pas en avant. Sondez. Un pas en avant. Sondez. Un pas en avant. Sondez.
Écran de rotation. C'est très bien, Madame Gallet. Il se remet à votre poignet, hein? Ouais, c'est parce que vous êtes un peu magicienne, homme. Ah, avec pas si vite. Voilà, on fait une petite série. Elle est beaucoup plus ample. Anne, ah, c'est bien. Anne, oui? Je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui, j'arrive, hein? Très bien, Madame Gallet. Vous allez continuer une petite série comme ça? Hein, mais c'est bien. J'arrive, hein? Je voulais vous dire, je sais qui vous êtes, mais c'est pas mon problème, le passé, la mort de Franck, c'est triste, tout ça. Bon, vous comprenez que ça me concerne pas. Par contre, je veux travailler avec vous. Ouais, je crois que mon père avait raison quand il me disait que vous pouvez m'aider. Pas de douleur dans la hanche. Vous êtes sûr? Il faut voir les résultats d'IRM, vous l'avez fait? Oui, oui, ils ont été faits, tout est bon, il n'y a aucune lésion, aucun déchirement ligamentaire. À mon avis, ta douleur est juste la conséquence d'une petite torsion au moment de la chute. C'est rien, rien du tout. Ta carte blanche. Ah. Bon, bah, il va falloir que je consulte mon agenda, là, parce que je suis très, très surchargée en ce moment. Alors, je sais pas... Première séance, 14h. OK? Ah, c'est gentil. Hein. Vous emmenez souvent vos patients travailler dans le parc? Mais tu sais, après mon accident, Roland, le kiné qui s'occupait de moi, on disait que rééduquer, c'est pas seulement faire bouger les doigts de pied. Alors j'ai retenu la leçon. Prendre l'air, ça fait aussi partie de la thérapie. Surtout pour un champion. Merci, c'est gentil. Allez. C'est bon? Bah, tu. Vous croyez que. Oh, bah, tu peux me tutoyer, y a pas de problème. Mais évidemment que je crois, puisqu'il y a pas de lésion. Allez. Doucement, hein. Tout doucement. Au pied. Là, tu te redresses. Là. Allez, vas-y. Vas-y doucement. Un pas après l'autre. Voilà. Ton genou, ça va comment? C'est OK, hein. T'as vu, je marche. Ah, c'est bien. Mais tu forces pas. Allez. Ça suffit pour aujourd'hui. Ça y est, il faut déjà que je remonte dans ma chambre pour trouver l'autre dingue avec son thermomètre. On peut parler un petit peu si tu veux. Hein? Ça aussi, ça fait partie de la rééducation. Allez, vas-y. Je t'écoute. OK. Tu sais ce que je veux? Il faut que tu m'emmènes là-haut. Je veux retourner sur les lieux de l'avalanche. Je veux voir ceux qui cherchent Greg. Je suis sûr que je peux les aider ou je sais pas, où leur parler, quoi. J'y étais, moi aussi, quand même. Et puis peut-être que déjà ils l'ont retrouvé. Là-haut, ça se passe comment? Il est né ici, Greg. La montagne, il la connaît aussi bien que moi. Je suis sûr qu'il a eu le réflexe de se mettre en boule pendant l'avalanche. Ouais, c'est ce que les sauveteurs pensent aussi. François? Oui, Anne. Tu veux aller à la combe des Paquis? Bah voilà, t'as tout compris, ouais. Quoi? À la combe des Paquis? C'est bien là-bas que Marco a retrouvé, non? Il a dit ça? Quoi, vous étiez pas dans la combe des Paquis avec Greg? Ouais. On va vérifier. Thank you.
descendez jusqu'à 300 mètres au-dessus. On retrouvera plus de... Il est peut-être enfoui plus profond. On a ratissé tout le secteur avec le chien, rien du tout. Je comprends pas, moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas retrouvé le gamin. De toute manière, on va arrêter, ça sert plus à rien. C'est pas vrai. C'est pas ça. Allez, Christophe, viens. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Je sais, ça va aller. J'aurais dû refuser de l'accompagner là-bas. J'ai sous-estimé sa fragilité. Fais ce que tu pensais de bien pour lui. Dans ce métier, on commet tous des erreurs, Anne. Est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier? Oui. Quant à Christophe, il fallait qu'il soit confronté à ça pour que sa douleur sorte. Jusqu'à maintenant, la disparition de Greg, il l'avait pas vécu, c'est normal qu'il réagisse violemment. C'est une réussite, la méthode Anne Belfond. Bravo, super. Ben, c'est vrai. Laisse. C'est pas tort. Oui, mais ça fait un moment qu'elle commence à me chauffer. Surtout Françoise. Elle est jalouse, elle croit que je suis amoureux de toi. Hélas, non. En douille. Et attends, je ne blague pas, il sort de sa caisse, il était en espadrille, en tong. Faut le faire quand même, il a donné ses cours avec en tong. C'est pas le mois de juillet. Ah là là. Tout le monde a été traumatisé par la mort de Franck. Comment tu que Florence réagisse pas comme ça? T'es prête à trouver des excuses à n'importe qui? J'arrive. Quand il s'agit de son fils, tout de même, elle pourrait penser à lui. Comment tu peux dire ça? Elle adore Christophe. Et surtout, elle est là quand il faut qu'elle le soit. Juste pour nous, quoi. Salut, Sébastien. Tu vas bien? Ben, je vais commander. Tu devais pas arriver un peu plus tôt? Ouais, mais travail. Super. Bah oui, assieds-toi. Ça, je dis ça parce que la mienne, elle était pas là après mon accident. En fait, je crois qu'avec un tout petit peu de recul, je pense que ça change tout. Ton père savait pas où elle était. Comment voulais-tu qu'elle le sache? C'est justement le problème. Tu sais, j'ai plus besoin d'elle. Ni de mon père, d'ailleurs. En plus, il est casé avec toi. Puis moi, ça va peut-être plus tarder. Ah ouais? Ouais. C'est laquelle? Pourquoi la brune? Bah, il y a déjà une blonde à la maison, donc... Deux, ça fera peut-être un peu trop, mais... Peut-être pas. Elle regarde pas comme ça. Elle est mignonne. Merci. Ah, c'est cool. Bon, bah, j'y retourne. Ah, mais j'ai cru que... Bah, oui, quand même. Ah, ça, sûrement. Elle est en mariage. Oh, bah, je le vois. Déjà toute verte. C'est un printemps que Greg ne verra pas.
Madame Planty. Madame Planty, je peux faire quelque chose pour vous? Non, rien. Merci. Madame Planty. Non, il faut me laisser là. Au revoir. Passe sponsorise le championnat de ski acrobatique. C'est pour ça que je suis là. Ouais, je savais que tu te trouvais dans la région. Les côtes des montagnes. Il y a longtemps que je voulais venir te voir. Mais j'osais pas. Depuis quand la timidité fait partie de ton répertoire? Tu me détestes. Tu as raison. Je me suis conduit comme un salaud après ton accident. Et même les salauds ont le droit de s'expliquer, non? Dîne avec moi. Ah, tu manques pas de culot? S'il te plaît. Très tard. T'inquiète pas, c'est sexuel. À demain. Oh non, Mimi. Oh, t'as faim? T'as faim, t'as faim? Viens. Allez, viens. Oh, on est trop chaud. Allez. Oh, chaud. Là. Mais pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi? Pourquoi? Tu demandes pardon. Mais c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois. Mais je crois rien du tout. Je constate, c'est tout. Je constate que t'as laissé crever Greg tout seul sous la neige. Écoute, putain, dans la neige, tu sais bien qu'il n'y a pas de possibilité de retrouver les gens après 24 heures. Tu le sais, sa merde. Hein? Arrête ton baratin. T'es pas chez les flics ici. C'est ton fils que t'as en face de toi. T'imagines ce que tu es en train de me dire, tu parles à ton fils. Salaud, papa, t'es vraiment un salaud. Pourquoi tu parles là? Tu parles des flics là, pourquoi? Est-ce que t'as parlé à quelqu'un? Mais non, il a pas parlé, mais non. Hein, Christophe? T'as pas parlé. T'as rien dit. Tu parles pas, ok? Tu veux pas que ton père finisse en prison? Hein? Dis, t'es intelligent, t'as compris ça? Alors on n'en parle pas. On garde ça entre nous, rien qu'entre nous. Ça reste entre nous trois, d'accord? Arrête! Puis maintenant tu regardes devant. Tu penses au championnat. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Christophe, Christophe, Christophe. Calme-toi. Hein? Christophe, t'es un champion, Christophe. Mais c'est un champion. Et debout! Debout! Tiens, je t'aime, mets ton linge, hein? Comme ça, t'as des choses de rechange, ok? Allez. Christophe. T'es un champion, t'entends? Alors, debout! T'aurais pas un peu tendance à confondre éducation et torture ce matin? Ouais, je sais ce que c'est, t'es jalouse, hein, à cause d'hier soir. Mais je te raconterai rien. En plus de ça, y'a pas de quoi s'étaler. Je suis désolée, Sébastien.
écoute, j'ai besoin de me défouler un petit peu ce matin. La journée va être dure, je crois. Encore Christophe ? Il te prend bêtement la tête, celui-là. J'ai pas été très fine avec lui hier. J'ai cru que... Tout le monde était aussi solide que toi. Bah non. Même moi, t'as failli me faire craquer. C'est bien. Allez, Oust ! Hey ! Attends-moi ! Je suis fatigué, puis j'ai pas envie d'y aller, puis j'ai mal aux genoux, mais foutez-moi la paix ! Oui, eh ben c'est à votre kiné que vous allez expliquer tout ça. Nous, on a un planning à suivre, 8h30, rééducation. Elle a un peu exagéré avec vous, Anne Belfond, hein, hier, c'est ça ? Bah oui, évidemment qu'elle a un peu exagéré. Ben, c'est bien elle, ça. Faudra quand même qu'on la signale au médecin. Vous lui direz au médecin quand il passera dans votre chambre. C'est important de vous défendre. Il faut pas qu'on vous martyrise à chaque fois, quand même. Allez, on y va. Je peux compter sur vous, hein ? Sinon, c'est moi qui le ferai savoir. Allez. Bon, ben, c'est bien maintenant. Tu refais le même parcours en arrière. Mais tu veux me tuer ou quoi, là ? Tu sais que j'ai lycée, moi, après ? J'ai pas le temps de faire la sieste, hein. 2 heures de maths, 2 heures de physique. Ouais. Allez. Tu penses bien à inspirer après, ouais, et à souffler. Hein ? Salut, Christophe. Tu vas bien ? Non, j'ai mal aux genoux. D'ailleurs, c'est à cause de toi que j'ai mal. Hier, tu m'as obligé à marcher. J'ai dû forcer. Ah, attends, Christophe, je t'oblige à rien. Tu le sais très bien. Laisse-moi regarder. Aïe, tu me fais mal ! Attends, je t'ai même pas touché. Tu me fais mal, je te dis. Tu comprends pas ? Tu me fais mal. Christophe, je sais ce que tu peux éprouver. Voilà le code de sexe. Bien, bien, regardez comme c'est mieux. C'est une injustice terrible, là. Je sais, c'est ce que j'ai ressenti en apprenant la mort de Franck. Mais attends, qu'est-ce que tu crois, là ? Tu vas me faire pleurer en me racontant ta vie, mais j'en ai rien à foutre, moi, de la grenade Belfond et de sa chute dans l'Himalaya. Je m'en tape ! Même de la mort de Greg, je m'en fous. Et tu vaux pas mieux qu'eux, hein. T'es pire. Tu me fais au sentiment. Je te comprends, je t'aiderai. Tout ça, c'est des conneries. Tu peux pas dire ça. Je vais me gêner, tiens. De toutes les façons, tout ce que vous voulez, c'est que je remonte sur mes skis en fermant ma gueule. Marco, toi et les autres. Vous me faites chier. Tu comprends pas ce que je te dis ? Vous me faites chier ! De toute façon, je la prête pas, cette compétition. J'ai vu comment t'as parlé à Anne tout à l'heure. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'étais là. Elle mérite pas ça. Leur respect, ça s'apprend. À l'avenir, je t'interdis de lui parler sur son ton. Qu'est-ce que tu m'interdis, petit bonhomme ? Oh, mais c'est ça, tu te l'es sauté ? Quoi ? Quoi ? Je me la couins ? Ah ouais ? C'est un simulateur, je te dis. Un mytho, il a rien à son genou. Alors pourquoi il ferait ça ? Parce que c'est un sale con ! Attends, c'est pas un argument, Sébastien. Je sais que t'aimes pas beaucoup Christophe, mais est-ce que tu te laisses pas un peu influencer par ton antipathie pour lui ? Et ça, là, cette blessure, c'est une tranche d'antipathie ? Moi, je l'ai touché à la pointe du menton. Mais vérifie si tu me crois pas ! Bon, allez, ciao. Ce qui est sûr, c'est que cliniquement, son genou n'a rien. Attends, tu vas pas t'y mettre toi aussi ? Écoute, ça fait 15 ans que j'exerce ce métier un peu plus. J'ai jamais vu un seul cas où l'IRM et les radios montaient.
contre, les patients, ça c'est autre chose. Christophe n'a pas voulu déjeuner. Il refusait les soins. Il m'a même pas laissé lui toucher sa blessure au menton. Ah oui? Et cette fameuse douleur au genou? Il s'appelait sans arrêt, mais il prend pas les calmants. Je me demande si certains n'y sont pas allés un peu fort avec lui hier. Ne dites pas certains. Pour une fois, il y a un peu de franchise, Françoise. Dites Anne Belfond. Anne Belfond y est allée un peu fort hier. Bien, je le dis. Anne Belfond y est allée un peu fort avec lui hier. Et je trouve qu'elle manque franchement de professionnalisme. C'est sans doute une très bonne alpiniste. Des fautes de débutante à son âge, excusez-moi. Bon, écoutez maintenant, Françoise, ça suffit. Ah oui, c'est bien moi. Moi, je veux bien, merci. Moi, Esther. Ah oui, moi aussi, je pense souvent à vous, oui. Ça me fait plaisir de vous entendre. Oui, voilà, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un petit conseil. Oui, c'est... C'est au sujet d'un jeune patient qui a subi un choc plus psychologique que physique. Il existe des simulateurs, vous savez. On en rencontre tous les jours. Oui, oui, le problème, c'est que je vois pas... Je comprends pas pourquoi il aurait intérêt à mentir. Toutes les raisons sont bonnes, hein. Pas aux peurs. Pas aux culpabilités, pour se protéger. Vous savez, un symptôme peut en cacher un autre plus profond. Ouais. Oh, et puis il est très nerveux. Ouais, il était violent avec Sébastien. Oh, Sébastien, comment va-t-il? Dis-lui bonjour de ma part. Oui, alors et pour Christophe, là, le petit patient? Oui, je voudrais parler à son père. Vous en pensez quoi, vous? Il faut simplement essayer de comprendre. Vous savez, Anne, on ne peut aider vraiment que les gens qui le veulent bien. Il faut s'accrocher, ouais. D'accord. Je vous embrasse bien fort. Merci, Esther. Hein. Merci. Au revoir. Pourquoi? Pourquoi quoi? T'as très bien compris. Pourquoi est-ce que tu fais semblant d'avoir mal au genou? C'est l'autre connard là qui t'a parlé, mais il raconte n'importe quoi celui-là, hein! De quoi t'as peur, Christophe? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Personne ne peut m'aider. Est-ce que tu veux que je demande à... Père de venir te voir. Moi, Florence. Pour ma mère. C'est trop tard pour qu'elle s'occupe de moi. Et mon père, je veux plus jamais le voir, c'est une ordure. Craig, il est mort et moi, je me retrouve tout seul avec ses mensonges, avec ses putains de mensonges. De quoi tu parles? Laisse tomber, tu peux pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux parler de la mort de Craig? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu veux vraiment m'aider? Alors, arrête de me poser des questions. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Si t'as besoin d'aide, je suis là. D'accord.
J'ai peur que Christophe pète les plombs. Oui, mais on ne peut lui être d'aucune utilité. Il n'y a que lui qui pourra décider d'arrêter cette comédie. Oh, attends, tu vas un peu fort. C'est pas une comédie, son meilleur ami est mort sous ses yeux ou presque. C'est pas facile à vivre. Peut-être, mais ça explique pas tout. En fait, c'est juste avant de monter sur la combe des paquis qu'il est devenu étrange. Ah. Tu vois que si tu t'obstines encore un peu et te connaissant, tu finiras par trouver ce qu'il a vraiment. Ouais, mais pour l'instant, je sèche. J'ai même téléphoné à Esther pour lui demander conseil. Elle me manque, tu sais. Bon, allez. Hé, mais t'as accepté? Attends, faut que tu m'expliques, là. Il fait quoi, mon père, là-dedans? Il tire la chandelle? Attends, c'est pas pour lui faire plaisir que je vais dîner avec Gilles, OK? Au contraire, j'ai toutes les raisons de lui en vouloir. Non, c'est pour moi. Tu veux du thé? Non. Je te le porte. Merci. Tu sais, j'ai jamais revu depuis ma sortie de l'hôpital. Mais ça te fait quoi? Bon, j'ai pas vraiment de ressentiment. Juste... la sensation d'une histoire inachevée. Un goût un peu amer. C'est ça ce que je veux faire ce soir, tu comprends? Tirer un trait définitif sur mon passé. Tu penses encore? Je suis une survivante, Sébastien. Comme Christophe. C'est pas le rôle le plus facile. Une petite partie? Allez. Tu veux vraiment pas que j'aille avec Gilles, hein? Non. Il attendra. T'as vu à quel point elle était bouleversée, Madame Planty? Elle était très mal. J'irai la voir demain matin. T'es bien courageuse avec la tempête qui se prépare. Oh. J'oubliais que rien ne t'arrête. Oh. Je vais lui écrire un petit mot. Je pense que je peux faire quelque chose pour elle. Il aurait envoyé un gros chèque, par exemple. Comme à Florence, par la mort de Franck. Il est vrai que j'ai pas été très élégant à cette époque, mais j'ai fait des progrès depuis. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux exactement, Gilles? Je ne sais pas. Peut-être que tu ne penses pas trop de mal de moi. Oh. T'en demandes un peu beaucoup, hein? C'est vrai. Je prendrai le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Et crois-moi, je n'ai rien derrière la tête. Je sais que tu es parfaitement heureuse avec... Thomas. Thomas. Un type bien carré, philosophe. Dis donc, ça doit te changer. Bah ouais. Et comment va Christophe? T'as parlé de son accident? Non. Bah, qu'est-ce qu'il aurait pu m'en dire? Je sais pas, moi, comment ça s'était passé exactement. Ça doit pas être facile à vivre pour lui, cette histoire. Enfin, j'espère que maintenant, il va s'en sortir, rapidement. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est vrai que Passe le sponsorise. Pour ça aussi, évidemment. Comment tu peux imaginer une seconde que je pense pas de mal de toi, Gilles? Parce que tu sais qu'au fond... Non, je sais pas. On a vécu 4 ans ensemble. C'est seulement après mon accident que j'ai réalisé que je savais rien de toi. Tu te barricades derrière ton image de businessman. Les affaires, l'argent, pas de sentiments. Pendant un moment, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait derrière. De rencontrer toi, Gilles Dunez. Pas seulement mon sponsor, le patron de Passe. T'as pas donné la clé. Merci. Peut-être pas trop tard. Maintenant, ça m'intéresse plus. Ça a l'air bon. Bon appétit. Bon appétit. Delicious. Toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec le foulard de Greg?
Jade. Jade, ma fille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais où il est? Vous allez où comme ça? Écoutez, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais... Non, dis-moi. Elle avait ça autour du cou. C'est le foulard de Greg. Il n'y a que lui qui a pu lui mettre. Mais... Ça fait 3 jours que Greg a disparu. Ça vaut aussi bien que moi que personne ne peut survivre 3 jours dans la neige. Je sais, mais peut-être que Greg est là-haut, alors moi j'y vais. Au-dessus du Val-Noir, on a notre chalet d'alpage. S'il est vivant, il peut être que là. Je vous en prie, aidez-moi. Vous avez raison, faut peut-être aller vérifier. Vous pouvez m'aider à pousser ? Ouais. Allez, Jean, allez. Ça va ? Ouais. Bon qu'il soit là. Il pourrait pas être ailleurs? Je sais pas où. Je sais pas où. Jade! 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 Mais elle est où? Ça vient de là-bas. Je vous l'avais dit qu'il était vivant. Voilà. Oh là là, mon Dieu.
Voilà. Tenez, dégagez les jambes, là. Vous allez lui passer la main sous le bassin. On va le transporter au chaud. Voilà. Ah, oh mon Dieu. Le pouls est très faible. On va faire vite. Vous allez m'aider? Oui. Est-ce que vous avez de l'alcool ou... de la gnose, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Il faudra le flexionner. Très fort. Si. Montez sur les mains. Sur les mains. Frottez. Frottez bien fort. Pour réchauffer. Les mains? Oui, voilà. Les mains. Très fort, la paume des mains, les pieds. Prendre des pieds, hein, frottez bien. Vous auriez du sel, Madame Planty, du gros sel? On s'en sert au Tibet, vous savez. Quand les gens sont en hypothermie. Oui. Greg. Greg, reviens avec nous. Là, vous allez en prendre un petit peu, comme ça. Vous mettez dans le paume de la main. Frottez pas trop fort. Dans la paume. Et bien sur les phalanges aussi. Donne un petit peu d'eau aussi. Oui. Tiens, tu vas prendre les couleurs. Ah, c'est bien. Non, 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 là, là, surtout pas. Tu mettais un bout de tissu, là. Vous en mettez tout doucement, délicatement sur la bouche. Allez, prends des couleurs. Et reviens. Je voulais pas venir. J'ai tué Christophe. Mais non, Greg, t'inquiète pas, t'as pas tué Christophe, non, non. T'inquiète pas, tu sais, il va être vachement content de te voir. Vachement content. Ah! Qu'est-ce qu'il a? Ah! Ah! Mais... ah! C'est de la clavicule qui est cassée. Ah! Bouge plus. C'est un miracle qu'il a réussi à se traîner jusqu'à là depuis la combe des Paquis. On n'était pas dans la combe. On n'était pas dans la combe. Mais qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, il est épuisé. Il va aller mieux maintenant. Il est sorti d'affaires. Vous allez le garder bien au chaud. Je vais descendre chercher des secours. Je suis là, mon bébé. Exactement à quel moment vous l'avez vu pour la dernière fois? Hier soir, vers minuit, 1 heure. Et ensuite, dans la nuit? Enfin, vous voulez me dire, qu'est-ce que vous faites pendant vos gardes, Françoise? Je réponds aux sonnettes de mes patients, je passe les voir régulièrement. Régulièrement? Vous savez que Christophe refuse les soins, alors j'ai laissé tranquille. C'était éteint dans sa chambre, je pensais qu'il dormait. Je pouvais pas savoir que c'était important de le surveiller, c'est pas de ma faute. Si, c'est votre faute. Et ça s'appelle même une faute professionnelle. Et c'est inexcusable. Inexcusable? Eh bien, la prochaine fois, vous paierez une domestique qui dormira au pied de son lit. Anne est arrivée? Pas encore vu ce matin, non. Bon, si vous la voyez, vous me bipez. Un chevalier d'alpage. Il est en hypothermie, mais là je crois que tout va bien. Il prend un état de choc. Attention. Enlevez. Allez,
y a d'ici, dépêchez-vous. T'as besoin de ça? Non, c'est bon, ça ira. Bon, t'avais raison, il a bien la clavicule de cassé. Mm-hmm. Pour l'instant, je ne vois rien d'autre. C'est un miracle qu'il soit sauvé. Merci. Ah, c'est Anne qu'il faut remercier, la méthode Belfond. Au fait, qu'est-ce qu'il faisait là-haut, ce gosse? Ben justement, j'aimerais bien avoir une conversation avec Marco à ce sujet. Pas seulement un sujet. Christophe a disparu tôt ce matin. Quoi? Enfin, comment il a pu quitter la clinique? Ta bonne amie Françoise n'a pas fait son boulot. Enfin, maintenant, tu sais au moins que Christophe n'avait rien au genou. Mais attends, Stéphane, faut qu'on le retrouve avant qu'il fasse une connerie. J'ai essayé d'appeler Marco, il est introuvable. J'ai aussi averti Florence, elle est déjà en bas des pistes. Bon, bah écoute, je file là-bas. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, vous inquiétez pas, Madame Planty. Greg n'a rien d'alarmant, il sera vite sur pied. T'inquiète pas, Florence, c'est un gosse, il a pas pu aller bien loin. Ok, merci, Nicolas. Je le savais, t'aurais jamais eu de t'occuper de Christophe. Écoute, Florence, je suis en principal moment de discuter. Il faut absolument retrouver Christophe. Je me suis dit que toi, tu savais peut-être où il avait pu aller se réfugier. Comment tu veux que je le sache? Comment tu veux que je le sache? Il veut plus me voir, plus me parler, plus jamais. Moi, je sais qu'il a été très dur avec toi, je sais. Mais là, franchement, il a vraiment besoin de toi. Ok. Anne et Florence. Et ensemble? J'arrive pas à le croire. Que me vaut le bonheur de cette merveilleuse apparition? Où est Marco? Quelque part, là-haut, comme d'habitude. Tu en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Christophe. Il va pas bien? Il a disparu, il s'est enfui de la clinique ce matin. Mais vous ne pensiez pas qu'il avait repris l'entraînement? Je ne suis pas un bourreau. Allez, viens, nous voir. Oh, au fait, j'ai retrouvé Greg tout à l'heure, vivant. Il s'était réfugié dans un chalet d'alpage, juste au-dessus du Val-Noir. Génial. Tu pourras peut-être m'expliquer ce qu'il faisait dans ce coin? Comment veux-tu que je le sache? C'est de l'autre côté, dans la combe des Paquis, que Marco a retrouvé Christophe, non? C'est ce qu'il a fait en moi. Attends, Gilles, vous n'aviez pas fait ça. Fait quoi? On a vu Marco il y a à peine 2 heures, il est peut-être à la combe des Paquis. François! Tu montes où, là? Au fond de Pré-Rosset. Tu peux nous déposer vers le Val-Noir? Ok, montez. Je suis sûre que Christophe est là-bas au Val-Noir. Il essaie de retrouver Greg, c'est sûr. Parce que c'est là-bas que ça s'est passé au Val-Noir, pas dans la combe des Paquis. Marco nous a menti depuis le début. Allez, viens, Anne! Je peux pas. Je peux pas monter là-haut. Depuis la mort de Franck, je peux plus. Je te comprends, mais je te promets, je te ramène Christophe. Non, François! T'en supplie, reviens. Arrête! Je sais ce que t'as dans la tête, j'aurais fait pareil moi aussi. Mais ça changera rien, ça fera partie de ton copain Greg. Alors merde, fais pas ça, arrête! Fais-moi la paix! Tu l'as laissé crever tout seul dans la neige, t'es un salaud! Et moi je suis un fils de salaud! La seule différence qu'il y a avec toi et moi, c'est que moi je le sais que j'ai le courage d'en finir. Arrête, écoute, je t'expliquerai, mais fais pas ça, bordel, reviens! Viens! Laisse-moi! Si t'approches d'un centimètre, je saute! Arrête! Pourquoi j'ai rien dit quand j'ai vu qu'on cherchait pas Greg au bon endroit? C'est horreur, papa! Je suis aussi pourri que toi, je pourrais plus jamais te regarder en face! Allez, va-t'en, mais va-t'en, mais va-t'en! Marco a paniqué après l'accident. Il a eu peur que l'avalanche compromette son projet d'aménagement du Val-Noir. J'avais tranquillement pris le risque de laisser Greg mourir en envoyant les secours le chercher dans la combe des Paquis, où il n'avait aucune chance de le retrouver. Je n'ai rien pu faire, Anne, rien. J'aimerais tellement pouvoir te croire, Gilles.
doivent t'en sortir, viens! Arrête! Gilles, viens! Viens, je t'en prie, arrête! Arrête de le dire! Stop, fais pas le con, fais pas ça! C'est moi, c'est ma faute! Je t'en supplie, arrête, fais pas le con! Christophe, je t'aime, merde! C'est ma faute! C'est ma faute, j'étais un con, je voulais que tu sois le roi de la station! Si tu sautes, je saute avec toi! Greg est vivant. Christophe. Je te jure que je te mens pas. Je t'ai promis que je te mentirai jamais. Je te dirai toujours la vérité. T'approche pas. Tu vaux pas mieux que... Greg est vivant. On l'a retrouvé grâce à son chien. Il s'est réfugié dans un chalet d'alpage. Si c'était vrai, de toute façon, je pourrais plus jamais le regarder en face. Et lui ? Tu crois qu'il peut se regarder en face, lui ? Hein ? C'est lui qui t'a emmené là-bas dans Valmore, je sais, il me l'a dit. Alors, il sera autant coupable que toi. Si tu sautes, il est foutu. Il a besoin de toi. Toi aussi, t'as besoin de lui. Donne-moi la main. Allez, viens. Donne-moi la main, Christophe. Donne-moi la main, Christophe. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Arrête. Merci, Christophe. J'ai failli glisser. Tu confonds vraiment la rééducation. Avec la torture, ouais, je sais, je sais. Enfin, ça marche la méthode Anne Belfond pour Greg et Christophe. Hein? Ouais. Mais ça te la maintient comment, latéralement, hein? Ouais. Et t'arrives à faire du ski avec? Je peux pas faire du ski. Tu peux pas? Pourquoi sinon, t'as eu quoi, là? Bah, c'est une distension du tendon. Du tendon? Et sinon, les championnats? Quoi, les championnats? Bah ouais, les championnats, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah ça a été annulé, les championnats. Attends, depuis que Marco a été mis en examen avec Gilles, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah bon? C'est con, quoi. Il a même retiré ses drapeaux passe, là. C'est sur la piste. Ah! Mais ça, c'est dommage pour Christophe, quand même. Attends, et... Pourquoi c'est dommage pour moi? Parce qu'avec Greg Aoud, t'avais une chance de gagner pour une fois. Petit con! Allez, ramasse plutôt! De toute façon, même avec un plat, je t'aurais battu. Les affaires reprennent! Excusez-moi. C'est bon, il n'y a aucun problème. Vous leur remettez le dossier, vous leur direz que je passerai les voir la semaine prochaine. D'accord. C'est toi qui m'as bipé, là? Oui, je voulais t'avertir que la nouvelle surveillante est arrivée. Et j'espère que cette fois-ci, tu sauras faire un petit effort pour avoir une attitude un peu plus modeste avec tes collègues. Attends, tu plaisantes, Stéphane, là? Ah, mais non, pas du tout, non. Vous en faites pas, docteur Atelier. Avec moi, les kinés filent le doigt. Même Anne Belfond. Estelle, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais... Je suis venue vous voir. Non. Ça va? Très bien. Mais je crois pas, là, c'est vous la nouvelle surveillante? Eh oui, je suis la nouvelle surveillante. Vous avez travaillé ici? Mm-hmm. Non. Mais je crois pas. Oh, c'est trop génial. Ah, c'est vraiment génial, merci Stéphane. Ah, tu fais vraiment plaisir, hein. Oh, c'est trop bien. Tu vois qu'elle avait tellement besoin de vos conseils. Eh bien, écoutez, bah là, je vais être bien servie, hein. Mm-hmm.
Ah, c'est vrai, ça. On va faire du bon boulot. Hein?